Bienvenue sur l'Ubera France, notre thème aujourd'hui sera ⁇ Quelle hauteur les pommiers colonnaires peuvent-ils atteindre ?⁇ Chez l'Ubera, nous sélectionnons des pommiers colonnaires depuis déjà 15 ou 20 années, pour obtenir quelque chose d'exactement comme ça, que l'on peut bien planter dans le jardin. Nous ne voulons pas des pommiers colonnaires de 4 ou 5 mètres de haut, que l'on peut à peine récolter et entretenir, et qui ne portent presque pas de fruits, ce que nous voulions, que nous avons cultivé. Ce sont des pommiers qui peuvent être plantés comme ici dans un mixet border chez Peter Aslofer en Autriche, pas loin de la pépinière à Dahlia, Peter est notre sélectionneur de dahlia. Je disais donc dans un mixet border avec des hostas et d'autres plantes. C'est exactement ainsi que nous envisageons aussi l'utilisation de nos arbres colonnaires comme des pics dans des mixets border. Bien sûr, vous pouvez également consacrer un espace dans vos jardins à la plantation de pommiers colonnaires, les planter individuellement. Mais sachez qu'ils ont aussi bien leur place avec d'autres plantes. Nous avons délibérément sélectionné de telles variétés ainsi, en les plantant sur des portes greffes à croissance moyenne, à savoir avec une force de 1,26, pas plus fort, pour que les pommiers gardent une hauteur de 2 à 3 mètres environ. Fresco, c'est le nom de la variété ici, appartient plutôt aux variétés à croissance assez forte. Donc, s'il n'y avait pas eu autant de concurrence ici au sol, elle aurait pu atteindre 3 mètres, même 3,20. Et ici, avec la concurrence en bas, elle grandit environ jusqu'à 1,80 ou 2 mètres de haut. Aussi grand qu'un homme, à peu près à notre taille, ce qui est aussi le plus pratique pour cueillir les pommes après. J'ai goûté tout à l'heure à cette pomme fresco. Elles sont maintenant tout juste mûres, magnifiquement croquantes, juteuses et plutôt du côté acide, donc une pomme un peu acidulée, parfaite pour cuisiner. Pour la petite histoire, ce pommier est un croisement entre la variété de pommes d'Allemagne de l'est, de la RDA, Revena, qui est la plante père. Et la variété ballerina Vals, aussi appelée Télamon. Là, c'est la première génération de nos pommiers colonnaires. Ils ont un goût tout simplement fantastique et rafraîchissant, en tout cas ici en Autriche, en Haute-Autriche, chez Peter Aslofer, après toute une journée passée à filmer et travailler, c'est-à-dire trier et sélectionner à sa pépinière de Dahlia. C'est toujours agréable de finir la journée le soir, avec un pommier colonnaire si beau, et surtout déjà plein de bons fruits. La variété Fresco.